too shallow. To the shallow. This kiss is my remedy. No, just believe I did. I know that you're mad at me. Just like Ebony. I think I'd be better off alone. Without you, without you, without you, without you. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to Vilo Cantando Show. You guys are doing well because they're having a wonderful day on this 20th September, one of my biggest live TikToks. So today we're doing a lot. We're going to do a eating, right? Because we're going to eat as always. And I'm going to do the working out. So what I thought, because the original plan, right, was... the original plan was to do both, to do a stream of eating from Monday to Thursday and from Friday to Sunday, working out. Like, fuck you. I'm in a good mood today. Let's do it. Abby, thanks for the like. Appreciate you. Welcome, welcome, welcome. Always a pleasure. I got Cabaran Noodle. There's one pack for you. One pack for you, Baba. So, yeah. So, we're in Bulldog Chicken Ramen. And it's amazing. So, without further ado, I'm going to turn on the oven. Why not? Abby, thank you so much. Of course, of course. Look at this bad boy. Look at those bad boy, Balduk, Carbonara Chicken. Kevin BBK, thank you for the follow. Thank you for the likes. Appreciate you. You gotta like my Kevin. Appreciate you, my dude. What a nice guy. Dudes get to follow. They're amazing, Abby. You want a spoon? Okay, you want two spoons? Want a whole pack? Okay. Whatever you want, queen. The only problem with these is they're very good. They're exceedingly good. The only problem with these is, you see this? You see this little thing, right? This is freaking lava. I think I'll be better off alone. The song of the night is Garden, Solitary. So, yeah, so I was going to do only working out, but you know what? F that. Now, I did something stupid, which is adding the flavor pack to water. Which you're not supposed to do. You're supposed to wait until it's cooked. What I'm gonna do, I'm gonna put less water. Hoping that this is gonna solve the problem. Because usually you cook this and you add it. But I don't eat ramen a lot. So I'm not a professional when it comes to cooking them. When I sleep all alone without you, without you, without you, without you. This song is amazing. Again, we're talking about Garden, Solitary. You without you, without you. I had two. Ah. Have you been to Toronto? Yes, I've been. Multiple times. Do I enjoy being in Toronto? Sure, it's a nice place. Would I go tomorrow? Probably not. See, with Toronto, Toronto is it's really, really expensive, right? So I try not to go too often. But when I do go, it's a good time, you know? Fucking love Toronto. How about you? You live in Toronto? Fralcoon? Under all the darker days. So today, workout plus. Plus a Twitch live. So, sounds like a fun time. I do live. Coucou, ma belle Ad. Come on, vas-tu? Guys, we welcome Ad, one of my favorite people on the entire planet. Like, I got a list of 100 people that I fucking love. And Ad's like number 45. See? What's up, Toxo? How are you? So, Ad, aujourd'hui c'est spécial. Listen, I don't want to be kissing ass, but Ad texted me today. And Ad was like, yo, Ink, I'm going to be able to go to your live. And I was like, oh, I freaking miss you. So, I was supposed to only do a live for working out. But I was like, okay, well, let's do a longer live. Let's do a longer TikTok live. And so we're going to be eating and we're going to be working out. So I'm thinking something like 30 minutes for eating and about 15 to 20 minutes for working out, right? We're eating Balduk ramen, which is one of my favorite things in the world. So we can so work out life. Real, for real, for real. Mais je fais les deux, je fais les deux. Mais Toxo, je t'ai vu hier, mon homme, là. I love people. People, maybe there's something about the way I look. Maybe there's something about the way I talk. That makes you guys think that I got Alzheimer. But yes, so I talked to you yesterday, bro. It's hard to
it's hard to forget people. But yeah, I remember you. Of course, you're a nice guy. You were very kind yesterday, so of course I remember you, bro. What a genuine kind person. And honestly, dude, I think that the first time we talked was yesterday. And it doesn't take me much to know if people are nice people or not. But I think you're a good person. So now I fucked up because I put too much I put too much ramen compared to the water. But I also fucked up because I put the seasoning for the ramen in. So yeah, so chez ma aujourd'hui je peux plus. Mais voyons qu'est-ce qui se passe? What's going on? You know what's gonna help you? Ramen. You want some ramen? You want some ramen? You want some Balduk ramen? Chicken carbonara. Mr. Lucio Wolf, guys, please, if you want to make me happy tonight, if you don't want, it's okay, but if you want to make me happy, please follow this guy, because Lucio and I have been friends for more than 3 years, and dude is freaking kind, freaking a good person, and his content is absolute banger. It's very similar to mine, so if you like my content, you will like his content, and you know what? I think Lucio was a nice enough person just to get a like and a smile. Guys, I'm gonna have to wear the glasses because I'm fucking 60 years old and I cannot see the chat. I cannot play the chat. Je suis sorti avec les cheveux mouillés. Oh my god. Je suis sorti avec les cheveux. Faudrait froid. J'ai attrapé froid, mort de rire. Yo, arrête là. It's Hachi's living in Morocco, which is like, oh, I got a cold because my hair were wet. Dude, Morocco wet, cold weather is like 31 degrees Celsius. You're not sick. It's in your head. 31 degrees Celsius is not cold. It feels cold because you're used to 50 degrees, but it's not cold. Can I put some music? I cannot put some music. We are recording this for YouTube. I would gladly put some music and I can sing for you. The song of the evening is Garden Solitary, one of my favorite songs. I'm going to sing for you guys instead. No, I think I found another hope. You're trying to find a way. You're in the darker days. Just on the fucking way. Oh, I don't know why you shallow. You're in my mind too shallow. I can't turn about it too shallow. You're so far to the battle. Your kiss is my remedy. I don't know they're mad at me. B, I know that you're mad at me. Don't add to me. I think I'll be better off alone. Without you, without you, without you, without ya. Fuck it, we're gonna have to do it the old way. The old barbarian way. Your boy's not good with some tonsil, or it's not good with baguettes. Ooh, it's warm. There you go, baby. Still here. My Atlantis, is it warm? There you go. You know what we're gonna do? We're gonna do something special. Without you. I think the afternoon lasts forever. And there you go. That's our meal. Chicken carbonara. I freaking love this. Oh, what was the pinned comment ad? I'm sorry. Ben merci ma belle, t'es bien gentil. T'es hyper gentille. Can you play music? I'm 40. There's no problem with being 40, my dude. There's no problem. Oh, yes, a good age. Age, baby. Age. Yeah. I cannot see without the glasses. Which is kind of crazy, huh? So how are we doing tonight? I am so glad to see a lot of you guys. I am so glad to see people. See, no pressure, but there's people in here that I really like, and seeing them makes me happy. En pensant à, j'ai écouté, ok, give me a chance, là, mais j'ai écouté saison 1, épisode 9 et 10 de Shingeki no Kyojin. Oh, c'est tellement bon. J'ai écouté l'émission, j'ai écouté l'épisode où est-ce que Armin fait un speech pour protéger Eren. J'ai écouté l'épisode où est-ce que Eren se transforme en titan pour bloquer la... Je sais, c'est incroyable. Yo! Faut pas que je parle trop fort parce que mes voisins vont pas être contents. Mais j'ai écouté... Tu sais quand Levi aime pas le sang, mais qu'il trouve un soldat qui est en train de mourir, puis qui dit, ouais, mais regarde, je touche la main, même si je souffre, je touche la main.
Puis, yo, c'est incroyable. Never gets old, ouais. Mais là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup. So, I don't know, do you have Netflix? Because if you do have Netflix, Black Clover completely on Netflix. The whole thing. Est-ce que c'est bon? Black Clover, je sais pas, j'ai pas écouté. I didn't listen to it. But, yo, it's one of the good one. It's one of the good one. So, I would think it's good, but to be honest, I have no clue. I'm hoping it's good because a lot of people like it. But yeah, it's not Attack on Titans. Hey, by the way, Ad, I keep on seeing something on social media. For real, it's nice. Are you crying or not? I love that we have Emil Talk Life with Buddy's sister at the PFP, which is a porn website. I love that. Dude, comment tu dis ça, genre, Attack on Titans Lost Girls? What is that? What is Lost Girls? Je comprends pas c'est quoi. Think I'll find a way. Arrête, t'as pleuré, je sais que t'as pleuré. Genre, ok, mais t'as écouté l'épisode numéro 1, là. Ça, t'as pleuré comme une bébé, là. Un bébé, là. Guys, please follow the example of Ad and click that like button, please. Non, c'est pas ça, c'est Lost Girl. Puis c'est Attack on Titan. Mais je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est quelque chose qui est fait par les fans ou fait par le studio lui-même. Mais ouais. En plus maintenant, j'écoute Berserk. Berserk c'est fou là, c'est incroyable, Ad. C'est incroyable. Mais comment toi tu vas, comment ça va à l'école? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. D'habitude on parle tous les soirs, fait que je suis content de te voir. Je suis vraiment content de te voir. Vraiment, mais vraiment, Ad. Tu m'as manqué en maudine, ma grande. En maudine. Pour vrai, yo, pour vrai. C'est triste que Berserk, quand j'ai écouté Berserk, j'ai pas trippé. C'est un petit peu trop, c'est un peu trop dark pour moi, c'est un petit peu trop hardcore pour moi. J'ai pas trippé, mais yo, j'ai écouté Golden Age, la façon remaster, puis c'est incroyable. Là. Comment t'as trouvé Berserk? As-tu écouté? Ok, premièrement, à quel point tu connais ça? Ça, c'est l'important, là. Le reste, c'est pas grave. À quel point tu connais ça? Tu connais ça beaucoup, petit peu, moyen, je le sais pas trop. Aide-moi, Inc. Guys, j'ai même pas mis la sauce. La sauce est trop piquante, là. Oubliez ça. Oubliez ça, la sauce, c'est volcanistique. C'est volcan. Mais c'est des balducs, puis c'est incroyable. Fait que maintenant, qu'on va faire? On va faire une revue de les balducs au... C'est sûr en français, c'est en anglais, ça. Au poulet carbonara. Et c'est succulent, là. Fait que sans plus attendre, hey, j'ai hâte. Sincèrement, je sais que les ramen, c'est cheap. Je sais pas si c'est santé. Mais balduc, regardez la qualité des nouilles. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai pas regardé jusqu'au bout. Ok, ben regarde, Ad, je t'avertis. Moi, si je serais toi, j'écouterais juste l'âge d'or. C'est, fait que si tu connais un peu l'histoire, c'est qu'ils sont dans un monde d'apocalypse, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis là, dans l'âge d'or, c'est avant l'élément de terreur. Mais c'est vraiment bon. J'aime les nouilles indomie. C'est quoi ça, des nouilles indomie? Ça me dit rien, malheureusement. Malheureusement, heureusement, ça a pas l'air super bon. Que c'est bon ou que c'est pas bon, je sais pas. Dis-moi, c'est quoi? C'est connu au Maroc, ok, mais là. Mais pour vrai, t'es malade, Ad? Essaye du bouillon de poulet. Ça va aider. C'est trop bon, pour vrai? Pour vrai? Arrête, là. Indomie. Ok. C'est comme des ramen, genre? C'est-tu des ramen? C'est quoi? Parce qu'il est... Hey, il va me manquer un... Il va me manquer un... Il va me manquer un écouteur. Oh, ben tabarnouche. Ben, je sais qu'il est proche, là. Je suis capable. Des ramen, good. Mais écoute, moi, j'adore les ramen, là. J'adore ça. Qu'est-ce que tu as mangé dernièrement que je pourrais aimer? Parce que techniquement, la nourriture du Maroc, je connais pas. Je connais les falafel, je connais le molreya. Ça, c'est égyptien, c'est pas marocain, là. C'est quoi pour vous la bouffe la plus nice, là? Des ramen, je pense pas. Des ramen. C'est quoi, est-ce que c'est coréen? Est-ce que c'est japonais? Est-ce que c'est chinois? Hey, c'est chaud en maudit, là. Tu veux vraiment le net? On va enlever le net. Couscous, viens en manger. Pour vrai. Mais comment tu prépares ton couscous, toi? Parce que le couscous, c'est comme le riz. Fait que tu mets genre une tasse de couscous, une tasse d'eau. Puis est-ce que tu manges ça tout seul? Tu manges avec du poulet? Tu manges avec quoi?
Oh, c'est trop bon, man. Hey, moi, je suis Voltron, jaloux, là, c'est haut. Oh. Mais c'est piquant, là, c'est vraiment piquant. Hey, il va y avoir une arme de feu bientôt, là. C'est trop chaud. T'as quelle heure, Ad? En passant, t'as quelle heure? Avec n'importe quoi, c'est bon dans tous les cas. Nice. Parle-moi de l'école, Ad, comment ça se passe bien. Je sais que tu m'avais dit que t'étais pas contente parce qu'il n'y avait pas la même classe que d'habitude. Je sais que t'étais pas contente. Il est 1h29 du matin. Arrête. T'es pas sérieuse, arrête. Je te crois pas. L'après-midi, ok, cool. Du matin? Arrête, je crois pas. Arrête, c'est pas vrai. C'est des blagues. C'est des blagues. Il est pas 1h29 du matin. Ah non, ma classe, elle se fait bien. Non, pour vrai? Cool. On parle de pourquoi elle se fait bien en fait, à cause que t'avais des nouvelles amies. Non, shit, qu'est-ce que tu fais debout là? Tu m'as attendu? Parce que maintenant, je fais toutes mes lives à 8h le soir. Parce qu'à 8h le soir, je trouve que c'est mieux. Je trouve que les gens ont fini de travailler, les gens ils se relaxent. Je préfère le faire. D'habitude, je fais à 7h, mais le monde, 7h, ils mangent. Je préfère à 8h. En fait, mais je suis dans la même classe que Franny. Oh yo, nice. Oh wow. Oh wow. Wow. Franny, est-ce qu'il y a des problèmes, Franny? Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas? Hey, c'est vraiment bon, là. Je vais pas être méchant, mais c'est vraiment, vraiment bon. Dude, they're so good. Have you ever had... Maybe you, because you're from UK. Did you ever have Samyang? Budak. Budak. Your dudes, they're amazing. Possibly one of the best, and we're eating chicken carbonara. That's we're doing a workout after. We're doing a workout in about, I want to say like 20 minutes, 50, 20 minutes. Dude, it's amazing. It's amazing. It's really, really good. And there, you know chicken carbonara, so you know it. Mother, you know? No, I'm going to tell Franny that Ad said that he was not a good boy. He was not a good boy. I said, I'm going to say that Franny picked on you, Ad. I'm going to tell him that he said it was not nice. And then, tomorrow, I'm going to tell Ad, yo, Franny said that you're not a good person. I'm going to do drama. Drama. By the way, what do we think about avocado losing 250 pounds? What do we think about that? Oh. Ouais. Mon evil. Parce que j'écoute Berserk. Ok, Ad, question pour toi. Question pour toi. Question pour toi. J'ai une grosse question pour toi là. Connor, what's up, dude? I mean, I think it is. J'ai une question pour toi, Ad. C'est une question qui est assez difficile là. T'es pas prête. J'avertis, c'est une question difficile là. Le monde va te juger, mais bon. Est-ce que t'es prête? Oh, c'est chaud. C'est qui le méchant? Ok? So you know Berserk a little bit. Who's the worst? Griffith or Eren? They're both bad guys. Who's pourrait ouais, moi aussi. Mais est-ce que tu détestes à cause que OK. Est-ce que tu détestes Griffith parce que qu'est-ce qu'il a fait à Casca? Ou tu détestes Griffith parce qu'il a mis le monde en éclipse? Well, I turn around while you're eating. I'm so sorry, dude. I'm so sorry. I'm always eating, bro. I'm always eating. But good news, we're doing a workout after this. So, the idea behind it was actually simple. By the way, Romo, you're doing good? How are you, dude? It's been a while. Remember me, Marcus? I do. Comme c'est comme ça. Oui. Yeah, but Marcus, you can't ask me if you remember me if you change your PFP. You're always changing your PFP, and then you're like, are you remembering me? And I'm working, and I'm working, I'm working. But what did you say about a chicken? Okay, cool. Yeah. Now I remember you. I remember you for reals. Par rapport à Casca, surtout, mais je déteste pour tout quoi, ouais. We're talking, mais tu vois, like Eren. Like Eren, we kind of saw him as a good person from the beginning. I don't know, because Eren, he still did the rambling, right? And the rambling killed 80% of the population. I don't know if I would say Eren is as nice as Griffith. That's French.
Oh yeah, very incredible. That's French. Where me and Adam, we're speaking French. We can also speak Darija if you prefer. Ad, on va parler Darija. On va parler Darija. I'll defend and rent it, my vie, then. Can I scream because of the neighbors? And it doesn't mean he's a good person, though. Yeah, yeah, I know. I know. You understand why he's doing this shit, right? You understand why he is the way he is. And I think Aaron... See, Aaron and Driffit are similar because they both pushed for a better world. What's up, Saturn? I saw your name. I saw you, dude. I'm just talking. How are you, bro? You doing good? I think Aaron is because we know him, and I think Aaron would never hurt Armin and Mikasa. That's why I think we're the nicest guy. How are you, bro? I'm always gonna call you Jupiter. Jupiter, bro. Jupiter. Because I don't know what's your real name, and I don't know what planet this is. I don't know. Aaron, I don't know, because Aaron... I'm watching the show again, and I love Aaron, and I love him. And I love him until he becomes a bad guy. And when he becomes a bad guy, I'm like, fuck you, Aaron. Why? Why, dude? Why? Lee, nice to meet you. I'm Stefan. You call me Steph. You can call me Ink. It's all good, baby. It's all good. You can call me the Ramen Man, because I'm eating ramen. Don't call me bad names, because I'll be mad. But yeah, you got plenty of choice, my dude. I don't know. It's si regardes Misha. Yo, Ad, did you ever watch Bleach? Because Bleach has some good villains. Ça me fait la peine de le voir qu'il a fait l'humanité entière. I know. The biggest problem with Eren. The biggest problem with Eren is... There's a moment where he finds, like, he's a bad guy already, right? And he plays with this kid, and he gives him candy, and he helps this, and he helped the kid, right? And he's like, okay, well, I'm gonna help the kid. And then we're seeing that kid get killed, and Aaron's like, yo, I could have avoided that. I could have avoided it, but I didn't do it. So, yeah, so, but Aaron, and you see, well, yo, I know. And also, dude, the fact that we see him, you know, when he fights against the Crystal Titan, the Warhammer Titan, and he fights against the Jaw Titan. C'est une bataille, mais yo, he's killing children. That scene, to me, I'll be completely honest. I know. For reals. I completely understand. I completely... big hug, Ad. Hugs, there you go. It's gonna be fine. It's gonna be hugs. You deserve a big hug, là. Mais the scene for me, I was willing to respect Eren until that scene where he fights the Warhammer Titan and the Jaw Titan, because there he kills a lot of innocent people. He kills people. He's walking on them. He's destroying building. And I'm not down with that. And yo, I don't know, it's gonna be a tough one for you, but j'ai revu Rainer when he's in the academy. Puis je peux pas détester Rainer. Je peux pas haïr Rainer. Rainer, c'est trop mon caractère. Bertolt, je m'en calisse. Bertolt sucks. But, Queen. For reals. Oh, no. Amara, I'm sorry. I invited you. I'm sorry, dude. Amara, don't accept, please. No, because you're right. You're fucking right. Rainer, you're cool. See, genre, Rainer, he was brainwashed. But Rainer, he seemed as a hero. Mais c'est important de comprendre que, tu sais, ok, we're gonna go really in deep avec Attack on Titan, je m'en calisse, là. Eren, jamais été vu comme héros. Ok, Ad, dis-moi la vérité, s'il vous plaît. Mens-moi pas, là, de la vérité. Qui que tu penses qui a été vu comme un héros? Levi ou Eren? Levi ou Eren? Erwin ou Eren? Mikasa ou Eren? Alors que Rainer, depuis le début, a été vu comme un héros. Il a été vu. Rainer s'est choisi. Tu vois.
Le speech d'Erwin, c'est incroyable. C'est incroyable, le speech d'Erwin. C'est incroyable. Sincèrement, là, c'est un des meilleurs speeches que j'ai vu de ma vie, là. C'est juste trop bon. Ad, tu m'as manqué. Ad, là, c'est comme une de mes meilleures amies, là. Parce que, sincèrement, sur l'application, je parle pas beaucoup de monde que j'aime beaucoup. Je parle pas beaucoup de monde à qui je parle tous les jours. Mais, yo, j'adore Ad. Parce que Ad, on parle d'anime, on parle de n'importe quoi, on parle de tout et de n'importe quoi. Puis c'est vraiment une bonne personne. C'est vraiment une bonne personne. Puis les gens qui sont des gentils dans la vie, là, c'est très rare. Erin n'a jamais été un héros. Non, il a jamais été. Mais tu vois, oui et non. Est-ce que Erin n'a jamais été un héros? Non. Mais la part des gens qui sont dans Attack on Titan, c'est pas des héros. Est-ce que Eren y a déjà été admiré? Oui. Est-ce que Eren a déjà été comme un symbole d'espoir? Oui. Il n'a jamais été un héros, là. Tu comprends? Quand tu regardes, les héros, ils sont très rares, là. Je te dirais, les héros, il y a qui? Il y a Pisces, il y a Mikasa, peut-être, il y a Levi, puis il y a Erwin, puis c'est tout, là. C'est tout. Mais tu vois, dans Marleya, Reynold, c'est un héros. Marleya, Ange, oui. Ouais, merci. Ouais. Yo, Ange, yo, le pire, c'est que, ok, mais là, maintenant, je te comprends. Maintenant, je te comprends. Avant, je n'aimais pas Ange. Enfin, je sais pas que je l'aimais pas, mais je la trouvais un petit peu bizarre, trop excentrique. Mais avant, moi, j'ai juste lu le manga. J'ai pas vu l'anime. Fait question manga, oui, Ange est pas super. Question anime, incroyable, elle est vraiment cool. Puis le fait qu'elle brûle vivante, je suis comme, oh, Saint Seigneur. Qui l'a tué? C'est qui l'a tué? C'est Gabi? Je sais que t'aimes pas Gabi. Ange, ta préférée. Avoue-le. Avoue, c'est ta préférée, hein. T'aimes plus Ange ou t'aimes plus Mikasa? Flop? Ok. Flop, c'est pas le titan aussi, lui? C'est pas le titan faucon? Alors, deux secondes, guys. Faut que j'apporte le téléphone en dedans. Ah, j'ai pas full de batterie. Tam 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 tam. Non, Flock, c'est le leader des pro-RN. Oh, pour vrai! Pour vrai! Mais attends, là, dis-moi pas les spoilers. Ça fait trop longtemps. Il y a des pro-RN? Pour vrai? Lui qui a pété l'avion et à cause de lui que Anne s'est... Oh mon dieu. Fuck you, Flock. Flock, c'est une merde. Merde, Flock. Je te déteste. Fuck you, Flock. Il est pas cool, lui. Mais à la fin, est-ce que tu dirais que Armin pis Mikasa sont pro-RN ou non? Parce que ça fait trop longtemps, là. Moi, j'ai lu le manga en plus, là. Mais je m'excuse. Ça fait aussi 2 ans que j'ai pas lu le manga, là. C'est 2 ans. T'es excité pour le nouveau Demon Slayer? Pas du tout, ok. Cool, parce que Mikasa, c'est une victime, là. Moi, à la fin, là. À la fin, j'aimais pas full Eren. J'aimais plus Eren. J'ai dit non, t'es trop méchant là. Puis c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment vraiment cool, c'est que tu vois, parce que t'aimes plus. Merci Aiden, j'apprécie beaucoup. Parce que t'aimes plus Eren. Des gens comme Jean, des gens comme Rainer, des gens comme Mikasa, des gens comme Levi sont plus aimés. Maintenant, je pense que Levi a toujours été aimé. Mais le monde, à la fin, il adore Levi, c'est leur personnage préféré. Le monde n'aime plus Eren à la fin. Le monde sont pro-Jean. Puis là, j'ai vu l'épisode, mais j'ai pas vu l'épisode hier. Où est-ce que Marco dit à Jean, Jean, t'es le meilleur. T'es le bon leader, Jean. T'es capable d'être un leader incroyable. T'es capable de mener une équipe de façon incroyable. Puis j'ai adoré. J'ai adoré. Salut, mon Sen, comment ça va, mon homme? Comment vas-tu, champion? Sen, un de mes bons amis. Toujours un plaisir, ça fait longtemps, man. Can you play The Walking Dead Season 1? Where, bro? Where? On the Telltale one? The show? Because the show, I did watch it. I did do a review on it. The game, I also played it. They're all on my YouTube.
They're on my YouTube because I've been doing TikTok for less time. I've been doing YouTube for 3 years and I've been doing TikTok for 5 months. 5 months. Ink, what's up, Marco? How are you? Always good to see Marco, my boy. Oui, ça va super bien, man. Ça va super, super, super bien. Mais, ouais, c'est compliqué ce qu'il y a là, on parle deux langues. Là, je mange ça. On va faire un petit workout. Ça va bien aller. Parce qu'on va fermer. Fait que ça va super bien. Darvo, pourquoi tu parles anglais? Dude, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. J'essaie de faire plaisir aux gens qui viennent en anglais. J'essaie de faire plaisir aux gens qui parlent en français. J'essaie de faire un live parce que tout le monde est le bienvenu. Puis pour ça, des fois, il faut que je sacrifie parler en anglais, parler en français. Tu comprends? Oh, it's fucking good, dude. It's fucking good. Well, it depends. You didn't answer. Did the game, the Telltale game, or you're talking about the show? Because both are really good. I would argue that season... I'm going to say season one of the Telltale game is a bit boring, but the ending is amazing. Ben oui, Sam, je t'ai dit, mais je vais faire un paire de poids, là. So I'm eating ramen, and I'm just chilling with you guys. I was going to do a workout, just a workout live, but I was going to say, you know what, fuck it. Let's just enjoy life. Let's just enjoy people. Let's just have a good time and just chill with ramens. You know what I mean? And here we are. Here we are. So I'm going to have to finish this, because I do have a busy evening. I'd like to finish by 9:15. My workout is pretty simple. So again, my workout, I started it about 2 weeks ago. Puis à cause de ça, it's not a big workout. It's like a 15 minutes workout. It's like a 20 minutes workout with you guys, talking to you guys. But yeah. I'm going to be doing it quick. After that, I'm going to be playing some Elden Ring or Borderlands 2. I haven't decided yet. Merci, bro. Merci. Merci, mon homme. Merci. Yo, Sam, I was playing Elden Ring, bro. I was playing the DLC, mon gars. The DLC. Yo, je suis déçu, man. Je suis déçu, bro. Sincèrement. Je les aime pas, man. Le DLC, je suis déçu. Yo, je me répète, là, mais ça m'a vraiment fait de la peine, là. Parce que c'est trop difficile, bro. Je me fais tuer par des gens normales. Je te le jure sur ma tête. J'ai pas fait assez de runes dans le DLC pour faire un level up. Mais ouais, je suis sincère. Fait que là, il me reste mon DLC, il me reste Malenia, il me reste à brûler l'arbre, puis il me reste à finir le jeu. Pour le vrai jeu, il me reste 6-7 heures. Non, je m'excuse, il me reste l'indécité. Il me reste environ 12 heures pour le jeu principal. Et pour le DLC, là, yo, c'est dur. C'est vraiment dur, man. C'est pas plaisant, c'est trop dur pour être plaisant. Hey, le premier boss, bro, j'ai passé 1h30 à essayer de le battre. Toi, t'es rendu où? Parce que je pense que c'est pas fini, hein. As-tu fini le jeu ou pas encore? Une fois qu'on a parlé, t'es rendu à Margit, la cité de Lindell. T'es rendu où? T'es rendu où? T'as-tu fait Caleb au moins? Je sais que t'as pas fait Caleb. Yeah, j'ai pas trop joué. Ah, ouais. Les gars, ça va bien, bro? Ça va bien, l'école? T'as une bonne classe? T'as des bonnes personnes dans ta classe? T'es content? Ça se passe bien? L'école, c'est important, bro. S'il te plaît, focus sur l'école, là. Parce que... dernière année, nice, bro, nice. C'est quoi, secondaire 5? Secondaire 5? Est-ce qu'il va faire après, ça va être cégep? Un DAP? Nice, bro, nice. Balle définissant, mon homme. Balle définissant. Hey, cool. Good. Ouais. Parce que je te dis, pompier, là, c'est une très bonne job, premièrement. Deuxièmement, des très bons salaires. Troisièmement, c'est une job à vie. Puis, regarde, on parle entre hommes, OK? Moi, je te dis, man, la plupart des jobs, je vais pas être méchant, man. La plupart des jobs d'entrepôt, là. La plupart des jobs comme menuisier, comme soudeur. Des choses comme ça, bro. C'est presque fini, man. Parce que tu vois, en Chine, les robots dans les entrepôts, les robots partout, man. Ça s'en vient, man. D'ici 10-15 ans, là, des jobs comme ça, des jobs physiques comme ça, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, man. C'est tout remplacé. C'est tout remplacé. Tout, mon homme, tout. Yo, après ça, man,
va sur Amazon. Fais-moi plaisir, man. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Va sur YouTube, puis tu marques entrepôt d'Amazon avec des robots. Bro, c'est rendu juste ça, là. White Blend, c'est exactement ça que je dis, man. Le futur, c'est électromécanique. C'est vraiment ça, parce que les robots les robots vont pas prendre le contrôle, mais les robots vont faire partie de la majorité des employés sur dans les métiers qui sont plus physiques, tu comprends? Puis, c'est pas... Écoute, c'est une façon de... C'est de dire, ouais, mais ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir, ça. Hey, White Blend, tu vas te suivre, man? T'as l'air gentil. T'as l'air d'un super bon gars, man. J'apprécie beaucoup les gens qui sont gentils. Mais yo, c'est sincèrement ça, là. Par français aujourd'hui, nice. Ouais, Christian. Il y a des gens franco. Christian, quand ça parle franco dans le chat, je parle franco. Quand je parle anglo, j'essaie de faire plaisir à plus de monde possible, tu comprends? Mais je suis content que t'aimes le français. Ça fait plaisir de te faire plaisir à toi. Fais plaisir, mon White Blends. Mais yo, c'est triste parce que genre, la majorité, quand on y parle, ben c'est pas le follow, bro. Quand on y pense sincèrement, sérieusement, on parle ensemble, ok? Les robots, ça dort pas. Les robots, ça pas de pause. Les robots, ça prend pas de journée de congé. Les robots, ça travaille 7 jours sur 7. Les robots, là, ils vont coûter moins cher. Pensez-vous vraiment, vraiment que les robots vont faire des fucking syndicats? Hey, moi, j'suis un boss, ok? J'suis un boss dans la vie, man. Je me fais chier avec un syndicat. Je me fais chier avec un syndicat, puis j'attends d'avoir des robots. Je choisis les robots. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a beaucoup de jobs qui vont disparaître. Puis ces jobs-là, c'est du monde qui vont perdre un emploi. C'est là qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment on va. L'économie mondiale, ça va être crissement. Ça va faire crissement peur, là. Mais crissement peur. Les robots vont take over. Ouais, ouais. Je sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle. Le jeu s'appelle Deus Ex Mankind. C'est Deus Ex Mankind, c'est des gens qui ont fait des. Sont des comme des cyborgs. C'est que. Comment je peux dire ça? Les gens qui sont des cyborgs, on va dire qu'ils ont un arme. Ils ont un arme, ça c'est en anglais, ça. Ils ont un bras mécanique. Mais leur puissance, leur force de tenir des choses, de soulever des choses, c'est plus fort. Fait qu'il y a des gens qui font des manifestations qui disent non aux robots. Fait que je trouve ça ça fait peur, man. Ça fait pas peur dans le sens de Terminator là. Ça fait peur dans le sens que nos enfants, là, tout le monde ici, je m'en fous de tout le monde ici. Je m'en fous White Blends de quel âge, je m'en fous Sam de quel âge, je m'en fous Christian de quel âge. Nos enfants, à tous et chacun ici, ils vont travailler avec des robots, là. Ils vont travailler avec des robots, là. C'est pour ça que des jobs comme électromécanicien, c'est ça l'avenir. Des jobs en IT, en intelligence artificielle, c'est aussi ça. En sécurité Internet, c'est aussi ça la job, là. Ça va être important, là. Tu comprends? Les robots vont aussi pouvoir être piratés. Ouais. Ouais. Mais écoute, il y a des gens qui fucking piratent, man. Il y a des gens qui fucking piratent la Maison Blanche, là. La Maison Blanche. Tu vas me dire qu'ils sont capables de pirater la Maison Blanche, mais pas capables de pirater un simple robot? Ben non, voyons, man. Voyons. Yo, il y a pas les pirateurs, là. Tu verrais, man, qu'est-ce qu'ils faisaient avec des. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là? Avec un Wi-Fi, un mot de passe avec un Wi-Fi, man. C'est fou, là. Ils prennent le Wi-Fi, ils le clonent, ok? Puis quand tu connectes avec ce Wi-Fi-là, toute l'information que tu as, tous les sites que tu visites, toutes les informations personnelles, ta carte de crédit, tes mots de passe, tes noms d'utilisateurs, sont toutes là. Vous avez là, quand vous allez au magasin, puis il y a un guichet automatique, là, puis il y a quelqu'un qui a mis quelque chose par-dessus ça, pour prendre l'information de ta carte, c'est pour ça que tu téléphones maintenant, là. Ça fait peur en maudit, là. Mon dream job, c'est faire du contenu. Parce que faire du contenu, je pense que c'est pas... Faire du contenu, genre, j'adore ça premièrement. Je peux être un artiste, je peux être libre. Faire qu'est-ce que je veux, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime la communauté. J'aime beaucoup le travail que ça comporte. Le travail devant la scène et derrière la scène. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Je sais pas. J'ai aucune idée. Ça, je peux pas le dire. Je m'excuse. Même là, ouais, yo, ça a commencé, là. AI, ça a commencé, là. Avec des fucking voitures qui se conduisent tout seul, là. C'est quand même fou, là. C'est incroyable, man. Parce que le problème avec les AI, c'est pas les AI maintenant, là. Yo, vous allez voir une vidéo, ok, qui a été faite il y a 4 ans. On a tous vu la vidéo. C'est Will Smith qui mange du spaghetti avec AI, pis c'est mal fait, là. Vous faites la même vidéo récemment, pis c'est le jour et la nuit. Le problème avec les AI, c'est pas le problème avec les AI, c'est que les AI, il est capable de se programmer tout seul pour s'améliorer. Tout seul pour s'améliorer. Les AI vont trouver les problèmes qu'il y a. Et elle va trouver les murs qui fait face, les obstacles. Vous allez dire, bon, mais comment je fais pour réparer ça, pour éviter ça? C'est ça le problème, là. C'est que tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler l'avancée du AI.
Puis bientôt, l'IA va prendre le dessus de l'humain. Pas en tant que domination, pas en tant que Terminator, mais en tant que travail, en tant qu'intelligence, en tant qu'autonomie, en tant que leader mondial. On va être leadé par des robots, là. Tu comprends? C'est fou, là. Quand tu y penses, c'est vraiment fou, là. C'est bien. Il me demande de faire des robots et mettre des puces dans la tête des gens. Mais tu vois les puces dans la... Ok. Ça, par exemple, les puces dans la tête des gens, ça, je suis un petit peu d'accord. Si c'est pas piratable, parce que si c'est piratable, oublie ça, là. Oublie ça. Mais la puce dans la tête, ça, je suis un peu d'accord parce que tu vois. Ok. Est-ce que je te dis, Christian, fais-toi faire une puce dans la tête? Non. Est-ce que je dis, Sen, fais-toi mettre une puce dans la tête? Non. Est-ce que moi, je pourrais me faire une puce dans la tête? Non. Mais je prends quelqu'un qui est paraplégique, quelqu'un qui a pas ses jambes, qui manque un bras. Est-ce que je pourrais mettre une puce dans la tête pour qu'il puisse avoir un bras? Oui. Tu regardes ces missions genre Spider-Man, tu comprends Spider-Man? Il y a un vilain qui s'appelle Dr. Octopus, ok? Dr. Octopus, il a des mêmes mécaniques. On l'a tous vu. On l'a tous vu, ok? Puis lui, il y a quelque chose que le monde ne sait pas, c'est qu'il y a une puce ici. Puis la puce ici, qui est dans la colonne vertébrale, c'est elle qui prend le contrôle des bras, tu comprends? Elle a besoin du signal humain. Fait que dans ce cas-là, oui, je serais d'accord. Quelqu'un qui peut pas s'en servir autrement, ça, je suis d'accord. Qui t'a garanti? Je sais pas, man, je sais pas. J'espère que c'est pas piratable, là. C'est parce que, yo, c'est si c'est piratable, man, tu contrôles des fucking humains, mon homme, là. Je sais pas si tu comprends ce que tu dis maintenant, là, mais tu contrôles des fucking humains, là. Tu peux contrôler un humain à tuer des gens, à attaquer des gens avec son bras bionique. Puis là, techniquement, la personne qui a créé l'action, qui a fait le meurtre, qui a fait le bras mécanique qui a tué quelqu'un, est-ce qu'elle est responsable? Elle a commis l'acte. Après ça, man, va prouver, man. Ah, oh, ben yo, je me contrôlais pas. Va prouver, ah, oh, ben j'ai été piraté, man. Va prouver ça après, man. T'es pas capable. Oublie ça, bro. Oublie ça, mais ça fait peur en esti, là. Tout est responsable à part les bails gouvernementaux. Yo, c'est crazy, là. C'est fou, man. C'est fou, mon gars, là. Ça, c'est crazy for real. Ben oui, man. Ben oui, tu sais, dans l'ancien temps, là, pis regarde, ce que je veux dire, man, ça va être extrêmement négatif, ça va être extrêmement controversial, là. Mais quand tu regardes avant, 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 là, on parle des années 1700-1800. Il y avait des esclaves, tu comprends? Des esclaves. Qu'est-ce que le monde ne savait pas? C'est que ces esclaves-là, qui venaient de pays différents, qui venaient de pays X, Y, Z, mais ces esclaves-là étaient vendus par leurs confrères. Ils étaient vendus en esclavagisme par les dirigeants de leur pays. Mais yo, si moi, là, techniquement, là, moi, là, OK, j'ai un bras bionique. Qui dit qu'on va pas faire la même affaire? Qui me dit qu'on va pas me vendre comme esclave parce que je peux pas me contrôler moi-même? Ça, c'est la folie, là. Ça, c'est la folie. Ben, c'est fou, man, c'est fou. En plus, là, qu'est-ce qui va se passer, man? C'est que, tu sais, le AI, OK, puis les voitures électriques, des affaires comme ça, là, c'est tout un avancement technologique. C'est tout poussé vers le futur. Qui va dire non au futur? Personne, yo. Les gens, man, ils vont voir des signes de dollars. Ils vont voir de l'argent. Puis l'argent, elle parle, man. L'argent, elle fucking parle, man. Puis ils vont voir ça, puis ils vont dire, yo, j'ai de l'argent à faire, là. Imagine, OK? Imagine que je te contrôle, OK? Que je travaille pour moi, puis que l'argent, elle va dans mes poches. Moi, je te nourris, man. Je te donne le plus petit possible. C'est de l'esclavagisme, ça, maintenant, là. Tu comprends? Puis la justice, qui va faire quoi? Qui peut faire quoi? On a une propre pensée. Mais c'est. Oui, la propre pensée, c'est ça. Mais techniquement, là, les robots qui ont leur propre pensée, c'est bien. Ça, c'est bien. Les robots qui ont leur propre pensée, c'est bien. Le problème de la propre pensée, c'est que ça vient avec la morale. Ça vient avec une intelligence émotionnelle. Ça vient avec un système de valeurs. Moi, personnellement, je ne vais pas sortir dans la rue, je ne vais pas prendre une batte de baseball pour frapper quelqu'un sans aucune raison, parce que je sais que c'est mal. Est-ce qu'un robot est capable de dire ça, c'est bien, ça, c'est mal? C'est ça un petit peu le problème, là. C'est ça le problème. C'est ça. Alida, ça, je l'ai jamais vu, mais yo, ça fait peur, là. La propre pensée, parce que c'est fou ce qu'elle a pas pensé, là, quand tu y penses, là. Imagine, tu dis quelque chose à un robot, puis le robot te dit non. Tu vas faire quoi, man? Tu vas faire quoi? Il va te tuer, genre. Mais yo, c'est la folie, là. C'est la folie, man. Puis, on pense que ça va arriver dans 10, 15 ans. On pense que ça va arriver dans 20 ans, là. Mais moi, je vous dis, man, on est plus proche de 10 ans que de 20 ans, là. Yo, for real, c'est fou, là. C'est fou, man. Le robot, tu peux pas l'arrêter. Non, tu peux pas, man. Le robot, il dort pas, man. Il dort pas. Il dort pas.
Non, tu y sens rien. Yo, tu lui arraches un bras, man. Il s'en met un autre, là. Il s'en met un autre, là. Tu sais, il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait qu'est-ce qu'il veut? Puis toi, t'es humain. Toi, il faut que tu dormes. Toi, il faut que tu te nourrisses. Toi, il faut que tu te reposes. Toi, il faut que tu fasses attention à pas faire mal. Un robot, comme tu te dis, man, qui ressent rien, là. Tu lui casses un bras, il continue. Toi, mon homme, je te casse un bras, là. T'arrêtes. T'es en douleur, mon homme, là. Tu comprends? What's up, Vam Girl? How are you guys? Please follow Vam Girl. Freaking Pearl, how are you? You haven't posted lately, Vam Girl. What's going on? Please post. Please post. Just seeing what you're doing. Dude, I'm doing good. Everything is going well. This is more of a French day because we got a lot of French people in the chat. So it's more French, but it's good seeing you, bro. It's good hearing from you, and I'm hoping that you're doing well. Hoping that you're having a wonderful day too, bro, because you deserve it. I know my account get to get banned. Why? Why would it get banned? What happened? Why would it get banned? So guys, c'est 9h. Fait que là, qu'est-ce que moi je vais faire? On va continuer le live, on va continuer, on va aller s'entraîner. Fait que je vous reviens dans 1 minute et demie.